Ce matin, je suis trop excitée parce qu'on va à Disney. D'ailleurs, c'est pas pratique que tu sois allée si proche de Noël. Elle aurait pu s'arranger, maman. Et dis donc, c'est pareil pour moi. Je suis pas sûre finalement que ça vous donne très très envie de découvrir la vidéo. Je suis plus sûre. Et c'est pas du tout poli de parler la bouche pleine. Trop fière. Celui-là, le glaçage est aux Oreos et celui-là à la violette. Miam, miam, miam. Du coup, oui, je suis en pyjama, je suis même en grenouillère. Je ne suis pas venue comme ça, hein, j'étais venue habillée, mais la première vidéo va se tourner comme ça. Donc voilà, tout simplement. C'est une naf-naf si vous voulez savoir. Là, c'est superbe, c'est la chambre dans laquelle je vais tourner. Bon, qui fait la taille de mon appart, quoi. Bon, bah c'est parti. On commence dans la chambre ou dans le salon? Ça fait un petit peu porno. Ça fait un petit peu porno, non? On commence dans la chambre ou dans le salon? Je vous l'ai jamais dit, mais je sais hyper bien jouer du piano. J'ai pris des cours quand j'étais petite. Je vous montre ça. Il est beau celui-là en plus. Je vais vous jouer un morceau. Qu'est-ce que je vais vous jouer? Je vais vous jouer quelque chose que j'ai joué pour un grand concours, que j'ai remporté d'ailleurs. N'empêche, je crois que je l'ai jamais dit que je savais jouer du piano. Donc vous êtes les premiers à le savoir. Ouais, je sais. Ce qui est cool, c'est comme si j'étais à la maison, dans le canapé, ma petite caméra en face de moi. Bon, on est un peu plus que d'habitude, mais... Et tout fini! Je me suis forcée pour bien grandir! Allez, viens faire le bas avec moi. C'est bien beau de pousser, mais on va voir ce que t'as dans les jambes. Moi, j'ai rien dans le haut et toi, t'as rien dans le bas. Je viens de découvrir cette machine et en fait, je capte que c'est pour avoir les fesses de ouf, là, comme dans les clips. Je vais tellement la tester, cette machine. Qu'est-ce qui est plus en bazar que mon bureau? Mon bureau d'ordinateur. Non, mais sérieux. Tu risques d'attraper un sacré rhume. Ah bon, pourquoi? Parce qu'avec toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur ton ordinateur, ça va faire un sacré courant d'air. Ou alors je vous poste une interview exclusive sur la nouvelle carrière de mon bouton. Parce que finalement, superstar. Parce que soyons honnêtes, il me pique la vedette. On ne voit plus que lui. Plus que lui! Je vous parle un peu de là où j'en suis, voilà, depuis 3 mois à la salle de sport. Et je vous fais une semaine type, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, parce que je connais super bien les jours de la semaine. J'ai de l'eau qui chauffe dans mon micro-ondes. Ça fait 5 minutes que c'est terminé. Et je me lève pas. Je me lève pas du canapé pour aller la chercher. Toujours. Autant, vous le savez, je suis du genre motivée comme fille. Mais quand le micro-ondes m'appelle, ça me saoule d'avance. Et je sais que je vais le laisser tourner 10 minutes, je vais y aller, ce sera froid. Bah j'ai relancé le micro-ondes, c'était froid. Je suis trop contente. Il y a le flash. On recommence. Je suis trop contente parce qu'il y a 2 copines que je vois vraiment pas souvent, que j'ai invitées demain pour voir La Reine des Neiges à la maison parce que les 2 ne l'ont jamais vue. What? Donc fallait bien que je rétablisse l'ordre des choses. Donc on va se faire La Reine des Neiges sushi. Voilà, le thème n'est pas excessivement bien pensé, mais ça passe. Même si la bouffe n'a aucun rapport avec le film, ce programme m'enchante énormément. Vous savez que l'appart à côté n'a toujours pas été loué. L'appart où le mec faisait beaucoup de musique. Là, il se fait visiter. Écoutez. J'avais oublié que dans cet appart, cette cloison-là était si fine. Vivement qu'il soit loué. Mais quand même, pour que le mec soit au courant et que je tombe pas sur un chien qui sache pas à quoi s'attendre, je vais mettre un peu de musique. Sorry! C'est pas du tout que je veux pas que l'appart à côté soit loué, mais je me dis, voilà, moi, si je louais, je préférais me rendre compte de ça, et au moins là, elle loue en connaissance de cause. Je suis un peu un ange gardien en fait. Et pour qu'il soit bien au courant de ce qui va l'attendre... Ouais! Hello! Alors ce matin, je profite de ma sale gueule pour vous filmer une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ce serait pas mal de partager avec vous mes petits conseils pour couvrir les cernes et les boutons. J'en profite pour faire un petit peu d'auto-promo. Si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait plaisir, ça te fait plaisir, ça fait plaisir à maman, ça nous fait plaisir.
tu vas sur YouTube, tu tapes You Make Fashion, c'est ma chaîne, tu cliques, s'abonner, t'es abonné. Je vais te trouver des astuces pour les boutons, les cernes, qu'est-ce qui se passe, ma chérie, dans 2 minutes, il n'y en a plus. Ça pourrait être pas mal de faire toute la prochaine vidéo avec cet accent. Je sais pas ce qui m'a pris, je me suis habillée comme une racaille de Shanghai. Je vais vous montrer ça là-bas si j'y pense. Oui, c'est ma chaussette. Bonjour. Bon bah j'ai annulé le sport. Voilà, j'avais pris un cours à 14h30 de pilates et j'ai mal partout. Vraiment, j'ai mal partout. Du coup, à la place, on va aller bruncher. Clairement, c'est la bouffe qui a gagné sur le sport. Sorry. Oui, parce que quand je suis très contente, ça fait wouh. Oui, parce que quand je suis contente, je vomis. Je pense que ce sera la dernière apparition de la cagoule sapin de Noël, donc profitez-en. Mais je vais y aller, on se motive. Si le froid commence à me démotiver maintenant, bah je vais pas faire de sport pendant 3 mois. Hein. Donc, on y va. Eh bien, je sais pas quel genre de drogue ils prennent chez les programmateurs de Snapchat. Ah oui, mais elle doit être très bonne. C'est élémentaire, mon cher Watson. Cet après-midi, je monte ma vidéo pinceau, je... Oh là là. On va pas y arriver. Moi, j'aime les longs poils. J'ai retrouvé Nico. J'avoue, tu dis ça, j'aime bien cette petite phrase. Qui est aussi coincée dans son écharpe que moi. From the chandelier. Bonjour à tous. Oh, dis donc, la lumière là ce matin, blanche de blanche. Bref, aujourd'hui avec Nico, on va à Ikea. Donc voilà, journée off à Ikea. Mais vous savez ce que c'est, aller chez Ikea avec besoin de rien. Donc on va voir avec combien de rien je reviens ce soir. Non Nico, je ramène pas des mugs. Non. Vous êtes nombreuses à me demander. Ah oui. Commencez d'avoir un gros visage. Oui. Tout blonde. Ça c'est nous qui arrivons à Paris et qui passerons à travers les bouchons. Comme elle a 2 fois la même paire dans 2 couleurs, ouh, Nico l'a mise au défi et je trouve ça pas mal. Allez, c'est parti pour un training. Je suis un peu en retard quand même, hein. Je suis partie à 30 pour un rendez-vous à 30. Il est vraiment génial ce petit projet avec Uber Eats parce que vous êtes là à m'envoyer des messages merci pour le repas gratuit. Est-ce que je peux être plus contente que si je vous nourris? Impossible. J'arrive pas à arrêter de parler, vous m'avez manqué, je vous ai pas parlé de l'après-midi. Je voulais vous montrer mes cheveux, alors bon, ça va peut-être pas vous intéresser beaucoup, mais ce sont mes cheveux au naturel, c'est-à-dire ils ont séché tout seuls là. Si vous vous demandez ce que c'est ce look, c'est que je suis pas sortie aujourd'hui, donc je suis en pyjama. J'aime trop avoir une capuche, c'est comme avoir un bonnet, on a trop chaud, je suis pas maquillée, donc sorry. Snappé comme jamais, snappé comme jamais, loulou et boutin, hey. Donc, merci beaucoup à vous, merci à ma team Snapchat. Vraiment, je vous adore fort comme un catcheur. Je vous aime très très fort et je vous dis à très bientôt.